J'ai 36 ans. Je t'en prie, oui. D'accord, elle en fait partie aussi. Dominique. Pardon ? Vous me répondez ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah ben vous l'avez dit au standard, mais vous ne l'avez pas dit à moi. Dites-moi tout. De quoi ? Dimanche prochain, 20h30, spaghetti et ravioli. Génération FM. Comment résumer 100 ans de radio en 45 minutes ? C'est le dur dilemme que m'a confié la radio nantaise Jet FM, mais contrairement à l'adage, à l'impossible nul n'est tenu, le documentaire qui va suivre va tenter de façon chronologique et de façon délibérément subjective de vous résumer 100 ans de radio, soit à peu près l'équivalent de 811 jours par minute. C'est parti. Si l'année 2021 est l'occasion de fêter officiellement les 100 ans de la radio en France, en réalité, on a déjà fêté les 100 ans de la radio en 1995, pour fêter plus exactement les premiers tests réussis de l'italien Guglielmo Marconi, inventeur des premières liaisons de télégraphie sans fil et considéré à juste titre comme l'un des pères de la radio hertzienne. Mais 1921 correspond surtout en France, en Europe et dans le reste du monde aux premières émissions de radio émises par les ondes et que l'on pouvait recevoir à l'aide de lourds postes TSF, la télégraphie sans fil de Marconi. 1921 voit aussi la naissance de la première radio française, Radio d'État, la mythique Radio Tour Eiffel. Radio Tour Eiffel commence ses émissions le 24 décembre 1921 et s'arrête brutalement le 6 juin 1940 avec la capitulation de la France et l'arrivée des Allemands dans Paris. En 1922, les Anglais fondent pour leur part la British Broadcasting Corporation, plus connue sous l'acronyme BBC, devenue depuis une véritable institution et la voix officielle de Grande-Bretagne.